Bonjour, mon nom est Maxime Deschamps. On est ici avec Brian Perrault et Lucas Vignard, son senior coupe. Aujourd'hui, on va travailler le twist. Puis spécialement dedans, on va travailler pour qu'Amy puisse avoir sa split au départ pour avoir le feature. Donc, on va commencer juste avec notre exercice de début de A, juste là. On va le refaire une autre fois. Ce que je veux ici, c'est là, tu fais une split de 380 degrés. On va faire seulement 45 degrés. OK? Fait qu'on va la refaire une autre fois. 45, that's it. Good. On va y aller une autre fois. Try to stay close a little. Okay. And you see all of us, so we hear good. OK. Attention, Julie. Là, il y avait du monde, donc là, on était à faire, on va le refaire un autre pas pour le faire comme il faut. Donc, avec Amy Bryan, dans le same twist, je leur demande une belle split, mais quand on arrive au double twist, c'est là qu'on perd la split. Donc, là, on va aller faire le same twist. Ça, c'était bon. On avait une belle split à 45 degrés. Okay. Là, on va aller faire le same twist. OK. Quand on a fait l'exercice, on était ici, et nous, ce que tu pensais, c'était de faire ta split juste devant ici. Là, quand on arrive pour faire le simple avec Brian, on arrive et on pense déjà à se tourner. Là, on perd notre split. Donc, ça va être vraiment hop, puis ce qu'on va faire pour tourner présentement, il faut penser à juste de faire ta split, passe à ici la boîte de musique. Pas plus loin, tu vas finir ici. Good. Sinon, on va traverser de l'autre côté. Good. Même chose pour toi, Brian, tu es ici, vers la boîte de musique. Donc, Brian et Amy ont pris une pause ensemble durant quasiment 3 mois de pas patiner ensemble. Là, ils viennent de recommencer il y a une semaine. Donc, on va aussi retrouver les rythmes ensemble. OK, ça c'était déjà mieux. Là, de la split, on va utiliser les bras pour nous aider à embarquer. Parce que là, on a pris notre split. On a besoin des bras pour amener notre corps. On utilise de la split. On a besoin d'utiliser les bras pour nous aider à emmener au-dessus. De la suite, la première, la jambe est venue, mais on était prise. Est-ce que tu l'as senti? Oui. Alors, la suite, utilise tes bras pour t'emmener à tourner. On y va une autre fois.
trouvais que ça, c'était vraiment mieux. Comment tu t'es senti dedans? Toi, Brian? Oui, ça va bien. Good. Excellent. On va y faire un double. Je vais voir la split et hop, on utilise les bras pour vous aider à embarquer dans la rotation avec toi. Good? Là, on n'a pas eu de split. On va faire un exercice ici souvent d'abord. Et ça, ça va donner une pompe parce qu'on a fait déjà beaucoup plus en fait temps. Donc, on va partir ici sur les talons. On va juste travailler notre jambe. Ici, hop, la split, la pompe, et de là, hop, 6 étapes. Hop, split. Comme ça. Sortir vidéo, on va te filmer pour toi. Je vais regarder puis vous filmer. Ça, c'était vraiment mieux. On a eu la split. Regardez. Hop, on est arrivé. Hop, on a la split. On n'a jamais de l'habitude. Et là, on a pu y aller ici avec la jambe en dessous. C'est mieux, ça? Good. Fait que je vais revoir ça une autre fois. Good? Excellent. Encore une fois, Amy. Hop. On a une split, là. Normalement, avec Amy, ici, directement, la jambe est déjà pliée ici. Et là, on est déjà en train de commencer la rotation. Là, on commence à aller chercher notre split, ce qui est excellent. On va pas aller chercher dans notre split un petit peu plus large. Donc, Amy, un petit peu plus pour aller chercher vraiment notre 45. OK? On est vraiment très proche présentement. Donc, on va le faire un autre fois ici.
Good. Beaucoup mieux, ça déjà, on était plus loin. Hop. Et on y va. Good. C'est bon ça. Good. Fait que pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait, on va travailler la split. Puis pour les prochaines fois, si on réussit à garder la split, je veux qu'on rajoute les bras pour Brian pour aller chercher un niveau de plus. Mais pour aujourd'hui, vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de twist ensemble, on recommence, donc on va rester comme ça pour aujourd'hui. Excellent. Je vais revoir ça une autre fois. Là, j'ai besoin d'avoir un peu plus de up pour toi, Brian. Fait qu'on arrive ici, up, un petit peu moins loin à aller chercher. Okay. Ici. On finit un petit peu trop en avant présentement. J'ai besoin qu'on soit rendu ici au sommet. Okay. Dans cette direction-là. C'est bon, fait que hop, un petit peu plus en avant. Reste bloqué dans ton pied. Oui. Okay. Mais ton corps aussi, dans tes épaules. Fait que ici, hop, garde les épaules bloquées et hop. Okay. Ça va aider. Parce que c'est pour ça, là, si on rajoute une rotation plus, on va être encore plus à gauche. C'est bon? On y va. On a encore la split, Amy. On a notre split. Et c'est bon. Ici, on est encore ouvert. Okay. Ce qu'on va faire, Brian, quand tu attires, on va essayer de garder nos pieds fermés un peu plus longtemps. Là, notre pied ici tire déjà. Oui, donc on est ici présentement. Là, en moment, tu tires déjà ton pied. Donc, hop, ici, hop, puis là. Okay. En commençant à la montée, là, on va ouvrir le pied. Et voilà. Donc, par eux, par le haut, je vais être en train de tourner. J'aime ta splitting. Juste pour le refaire, on va refaire une presse à la bande pour garder la rotation. Hop, ça fait la rotation. Et on le lance. Oui. Et on le ça c'est bon ça. Good! Excellent. On va faire deux autres. Good. Je l'aspire. Je pense que Brian, ce qui va aider là vraiment, quand on est ici, hein, on recule ton veut juste et un petit peu plus. Je faisais la même erreur ici avant. J'ai ici. Je pensais aller là direct. Je pense juste à venir ici. Et puis il va finir. Oui. C'est après. Et hop. Puis ça va finir ici là-bas. Mais on ne veut pas aller tout de suite au point. On va aller à 1 bit. Hop, 1 bit, ça va finir ici. Good? J'utilise beaucoup la caméra, surtout en coupe avec les twists. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent avec deux patineurs, donc j'ai le temps d'analyser comme ça. Puis en même temps, on peut revoir pour les jeunes aussi. On a encore notre split.
Déjà, c'est un petit peu mieux, Brian. On est déjà un peu plus... Ah! Donc, on était déjà plus en avant, cette partie-là. Ça, ça va être de quoi travailler. Et là, on a notre split. L'objectif de la journée, c'est d'avoir notre split à chaque fois. Non, là, la prochaine étape, ça va être garder notre split pour le titre. Donc, on a dit qu'on allait en faire un dernier. De toute façon, on va terminer. Voilà. Déjà, celle-là, hop, on était rendu plus en avant dans celui-là. Okay, mais encore une fois, on a notre split qui est de mieux en mieux. Donc ça, on n'est pas là du tout, hein, la jambe est déjà prête. Ça, c'est un gros plus pour les autres. Okay? Fait que pour finir, juste qu'on repasse une fois l'exercice sur la bande, juste pour garder le moment. Demain, on va la split. Et tout, on va continuer à travailler pour Fabien à rester fermé plus. Peut-être que j'avais des choses à dire. Peut-être que j'avais une split. Merci. Ça fait plaisir.